Ok, de retour donc sur Starbound, je vois qu'il y a des petites chutes de FPS encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est OBS hein, qui fait de la merde là depuis hier. Je pensais que le problème était résolu, mais visiblement non. Là, il est vert, jaune, orange, rouge. Il me fait toutes les couleurs en boucle. Pas très bien. J'espère que c'est pas trop dégueulasse de votre côté. Je vois que ça ramouille quand même un peu. Voilà, un peu beaucoup même. Ok, ces personnes, est-ce que tu veux bien essayer juste de te déconnecter à la partie 30 secondes et de revenir après? Pour voir si ça change quelque chose. Niveau du truc. Ok, là je suis en vert. Ah, effectivement, ça pourrait venir de là. Effectivement, ça pourrait venir de là. Alors, ces personnes, il faudrait que tu minimises comment ça s'appelle? Ton Steam. Que tu coupes bien tous tes téléchargements, etc. Les mises à jour Steam, tous les trucs du genre, mise à jour Adobe, mise à jour Java ou quoi. Les trucs qui pourraient pomper de la bande passante, faut les virer. À ce moment-là, tu peux revenir, on va voir si ça. Parce que là, je suis repassé en vert fluo. Alors, partie acceptée. Je passe en jaune. Jaune-orange. Ah, c'est ça. C'est ça, jaune orange, bien. Bah du coup j'ai pas de solution, il faudra jouer sur le serveur public après. Donc ça va ramouiller un peu pour ceux qui sont en live, la VOD ça va aller normalement. C'est simplement le flux de sortie de mon PC qui doit sortir le jeu chez ces personnes et la vidéo Twitch. Alors, vieux poulet, les plantes cultivées, elles donnent des graines, oui, mais pas toutes et pas toujours. Parfois, tu vas juste. Alors, je suis désolé, j'avais une deuxième fenêtre de chat. Alors Morphas qui nous dit oui quand j'aurai fini XCOM Enemy je verrai pour Starbound. Ouais, je suis désolé, j'ai une deuxième fenêtre de chat qui s'est ouverte et j'ai pas vu vos nouveaux messages en fait. Ok, bon, maintenant que le stream de la PLS est bien en place. Est-ce qu'on pourrait donc créer du soin? Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir déjà dans les fermes de la base. On peut récupérer la bouffe qui nous booste. Ces personnes n'hésitent pas à taper dans les coffres. Dans le cockpit, tu as des matériaux de craft. Si avec ce qui traîne, tu peux faire des trucs de soins OP, n'hésite pas. Pendant ce temps-là, on va donc ramener de la bouffe. Alors, pas celle-ci.
Je sais pas ce que ça fait. Shadow Taint Immunity. Ok, pourquoi pas. Ça c'est tout moisi. Ah mais avec ça on peut faire du... Bon, mais ça sert à quoi ça? Ça c'est pour courir plus vite. Mais ça nous brûle pendant 10 secondes. On va peut-être pas le... On peut l'utiliser. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ah ben ça, c'est notre truc préféré, Régène 2. Ça, c'est du sucre, on s'en fout. Ça, c'est pour sauter plus. Popin. Ça ne fait rien. Suivante. Ça ne fait rien. Ça, évidemment, ça fait rien, mais c'est du riz, on va le prendre. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien non plus. Et il va falloir cuisiner les plats qui justement font des boosts. Donc, ah, les bananes. Les bananes, ça nous fait des dégâts en plus. En principe. Ok, bon, on va ramener toute la bouffe au vaisseau. Voilà, parce que dans les frigos, on a aussi des jus, etc., qui vont nous booster. Bon, ça va être l'épisode, visiblement, de la préparation de ce combat. Alors, est-ce qu'on peut cuisiner des trucs là? Le risotto nous permet d'augmenter notre vie. De 25%, enfin le maximum de vie, donc on va pouvoir. Voilà, allez hop, 60. On a réussi, hein. On a réussi quand même à vider un tiers de sa vie, je dirais. Mais pour les deux tiers restants, on était à court de tout. Et mine de rien, faut spammer aussi les tirs, donc c'est un peu fatigant. Mais c'est bien, vaut mieux un boss comme ça final, digne de ce nom. Ok, donc on va poser le riz là-dedans. Ça n'a pas d'effet. Régène, une bright light. L'impression que il faut. Non, je comprends pas à quoi servent les oignons. Bon, on va mettre dans tous les cas la bouffe dans les frigos. Ça, c'est la bouffe prête. Et... Ça, ce sont des graines. Les oignons, on va les laisser là. Là, ce sont des graines. Les carottes. Ouais, il y a des bananes aussi. Non, on va échanger les bananes. Quoique non, si on veut cuisiner, il faut les garder. Ça, c'est du moisi.
Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit là? Pourrait fermer la fenêtre du live. Ah ouais, ce serait une bonne idée, effectivement. On n'en a pas plus, je te dis. On a peut-être de meilleures armures. Alors, il faudrait peut-être de meilleures armures, effectivement. Qu'on nous propose ici. Niveau armure, je crois que la meilleure en plus qu'on avait sans upgrade du truc, il nous manquerait l'advance processeur et l'advance plastique pour. Alors advance processeur, c'est ça. Il faut silicone bar et gold bar. On peut en fabriquer, il nous en faut combien? Nous en faut deux. Et advance plastique. Attendez, on va chercher silicone et l'or. Alors, l'or est ici. Les plaques de silicone doivent être là. Ok. Donc là-dedans, on peut se fabriquer les deux Advanced Processors. Maintenant, il nous faudrait du Advance Plastique. Où est-ce qu'on fait ça? Pas ici. Il faudrait augmenter ça avec Advance Plastique, mais on l'a pas. Bon, alors pour ça, il nous faut Carbon Plate, on les a. Stick RAM, on les a. Il nous manque l'Advance Plastique, mais je sais pas où on le fait. Peut-être là-dedans. Pas du tout. Ici. Pas du tout. Ah, peut-être dans le four là-bas. Attendez, il faut manger. Chimie, atelier, fracking, univers. Là-dedans, on peut pas le faire quand même. Non. On peut faire le verre. Bon. Alors, l'atelier de chimie. Il nous faut. Bien sûr, mon vaisseau. Quoi, c'est ici? Advance plastique, il nous faut du carbone, du plastique polymère et du silk. Je pense qu'on a tout. Il est passé où le téléporteur? Il est là. Alors, non. Mais non, on veut retourner à notre vaisseau. C'est pas possible. On se barrer. Faire de la soupe, effectivement. Ah là là, bon. Alors, advance polymère, carbone, et puis j'ai oublié. Voilà, plastique polymère, on l'a. Le carbone, on l'a aussi. Il est là. On va être large en carbone. On a les abeilles, hein. Les abeilles qu'on va pouvoir déposer vite dans les ruches au cas où. Au cas où elles s'activent, mais bon, il nous manquerait le. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Advance. Non, le plastique polymère. Carbone. Ces personnes, si tu peux me dire le troisième truc qu'il faut pour le Advance Plastic, c'était du silk. Voilà. Il est là.
À 30. À 30. Alors attendez, on va peut-être. Ici, on a les ruches. Voilà. Jungle drone. Jungle queen. Bah voilà, parfait. Tiens, il nous manque un petit truc là pour qu'elle se mette à butiner. Attendez, ici ça butine. Ici ça butine pas du tout. Jungle Queen, est-ce qu'on peut lui mettre les. Ah non, ce sont des Queen d'Eren aussi. Bon, alors attendez, il nous manque un petit truc à crafter pour les abeilles, histoire qu'elles nous fassent du miel tout de suite. Ça pourrait nous être utile. Il est où ce truc? Il nous faut le apéri quelque chose. Je sais pas où il est. Il est là. Et pour ça, il nous faut quoi? Il nous faut du timber simplement. On l'a pas sur nous le timber. Bon, c'est l'épisode un peu compliqué hein, parce qu'il y a plein de trucs à faire là finalement. Donc, découper tout ça. Également. Alors, on va finir tout de suite le truc pour les abeilles. Comme ça, elles vont pouvoir nous filer du miel. Et où c'est là? Voilà, hop. Et on va le déposer en vrac. Obligé de le déposer en vrac, on a l'atelier, non? Ça c'est fait. Et pour sa basique ferme, on a ce qu'il faut. Voilà, on va en faire une dizaine. Ok. On va aller déposer ça dans la ruche. Donc la ruche de droite, elle dort, mais la ruche de gauche, voilà, on a le premier truc de miel là. Alors tiens. Voilà. Est-ce que tu veux pas mettre ça? Donc on commence à récupérer du miel doucement. Hit, you'll heal. Bonne nouvelle. Bon, il nous manquera des drones d'abeilles de je sais pas quoi. Donc, maintenant, il faut aller sur le. Attendez, si on peut créer l'atelier de chimie, ce serait quand même un peu plus cool. Il est où? Fuel greenhouse machin. Celui de chimie, il est pas là. Ou alors aveugleman, mais a priori, il est pas là, quoi. Donc. Là-dedans non plus, là-dedans non plus. Là-dedans non plus. Là-dedans non plus. La table. C'est là-dedans. Là-dedans. Donc il faudrait crafter la table. La tinkering table. Je pense que c'est ça. Il nous faut Iron Band. Bon, écoutez, on va prendre tout notre stock de trucs parce que. Être plus simple. Tiens, allez, bim. Bim, 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 bim. Et voilà.
Ça, on en a souvent besoin. On a pas trop, hein, purée. Les sticks of RAM, on va prendre. On a un drone nocturne. C'est un or qui devrait pas être là. Ok, silicone on prend. Ça on prend, ça on prend. Laser ombrium on prend. Silk on prend. Processeur on prend. On va prendre aussi au cas où, ça on prend. On prend. Et là-dedans, ça on prend. Ça on prend. Ah, mais on a de l'advance plastique ici. Incroyable. Incroyable. On avait un petit peu qui traînait. Ok. Bon, c'est reparti. Attendez, cette fois on a de quoi améliorer en principe notre upgrade. Il nous faut deux avant-de plastique en plus, mince. Bon, donc la tinkering table, elle est où? Il manque du verre, fichtre. Ah, c'est le moment craft. Hein. Le moment craft. Hein. Voilà, le verre est là. Tinkering table, nous voilà. Allez, bim. On va déposer là en vrac. Il n'y a pas de place. Une place ici. Et ouais, du coup, on va pas avoir de place pour l'atelier de chimie si on aura de la place en dessous. Alors ça, on peut l'upgrade aussi. Tungsten bar, copper, allez. Bim. Il nous faudra un advanced circuit pour l'upgrade une deuxième fois. Donc ensuite. Oh, mais on l'avait déjà cette table. Mince. Bon, c'est pas grave. Mais non, mais c'était pas la bonne table. On peut rien faire. Oh, les boules. Les boules, c'était pas la bonne table. Bien. On va l'enlever. C'est quelle table? C'est celle-là, upgrade table. Il faut un électromagnète. C'est compliqué, il y a tellement de trucs. Alors, suspense, c'est la bonne main. Alors, on peut fabriquer des armes ici, des armes et des armures. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout.
Alors ceci étant dit, on a des modules qui traînent, on peut peut-être s'en servir là pour upgrade ce truc-là encore. Tant qu'à faire. Voilà. Allez, upgrade. Ah mais non, c'est pour fabriquer ces trucs-là qu'il nous faut les modules. Ah mais ça duplique notre équipement en fait. Ça duplique une pièce d'équipement. Bien. C'est bon à savoir. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ah non, ça upgrade notre équipement. Alors attendez. On va peut-être le tester parce que. Non, on va pas le tester tout de suite. On va le tester sur l'armure qu'on trouvera la plus OP. Donc, on y retourne, on cherche cette table dont tu parlais. Alors, c'est laquelle? Sprouting table? Non, pas du tout. Alchemy table? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec l'électronique center? Capture, hop, un staffreud. Make repair, mission checkpoint, personnel computer, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tech console, on s'en fout. Tout l'upgrade table, hein. Non. Écoute, je sais pas de quelle table tu parles. C'est Alchemy Table. Ah, ok. Alchemy Table, il nous faut de l'eau. Hop. Donc, Alchemy Table. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on n'a pas la place. On va mettre ça là en attendant. Alors, plastique polymère, il nous en faut deux. Non. On avait quoi on fait ça? Copper bar, eau, carbone. On voudrait de l'avance plastique maintenant. Plastique polymère, il faut peut-être upgrade le truc. Il nous faut des bouteilles vides. Bouteilles vides, c'est où? C'est là-bas. Padmé est en train de courir partout dans son vaisseau là. Voilà, bouteilles vides. Bouteilles vides x3. x4. Hop. Upgrade. Ça c'est fait. Alors l'advance plastique, est-ce qu'il est là? Il est pas là. Il est là. Donc on peut en faire deux. Allez, du coup on peut ré-upgrade ce truc là. Est-ce qu'on peut en faire 5 de plus? On peut faire ça, donc on peut améliorer cette machine. Ça c'est fait. Ensuite, on voulait ça, hop. Ça c'est fait, donc là on est au maximum. Maintenant, faut trouver... Ça on l'a déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus solide?
14, 8, 4. Ça m'a pas l'air plus solide, ça. On a 17 quand même hein, sur le buste, 8 pour les jambes, 11 pour le casque, ça va être chaud de trouver mieux. Il y a du 16 ici. Non. Forcément des nouvelles choses. Ça c'est tout pourri. 6, 9, non. 20. Ah, graphène. 8, 20. Et le casque en graphène, 12. Ok, graphène c'est mieux. Il nous faut graphène silicone. Tu vois, style, pour l'instant on a tout. Alors attendez, Hellfire Graves. Les bottes à 15. Oh là là, l'armure à 30, ça c'est mieux. Il nous faut quoi? Scorched Core, on en a, mais je sais pas si on en aura assez. Et oui, le graphène, ce sera plus accessible. Ça, c'est tout pourri. Ici, 20. Advance Alloy, on n'a pas du tout. Synthétique matériel, on n'a pas du tout. Je pense que le graphène ça va être Quietus Bar, je crois pas qu'on ait. Jungle Icor on a. Alors 25 ici. Ça on a, mais synthétique matériel on n'a pas. Il faut manger. Il faut manger, on revient. C'était Mad Science Google qu'il fallait aller vérifier. Alors des carottes. Miam miam. Allez, mange tes carottes, pas de mail là. Fait la difficile, voilà, on est reparti. On est reparti donc. Voilà, donc c'était ça. Est-ce que c'est bien ça? Je pense pas. Hein. Défense 4, c'est nul à chier. Ça donne des bonus, mais plus 10 en résistance à la folie. Mais le problème, c'est que pas vraiment de problème, quoi. Nautilus, la défense est pourrie. Ah, quoique. Pas si dégueulasse, mais c'est pas non plus. Bon, le mieux qu'on ait trouvé pour l'instant c'est 30, mais il faut des Scorch Core. J'ai vu la Hellfire, oui justement il faut les Scorch Core pour ça. En train de regarder plus loin s'il n'y a pas autre chose. Mais pour l'instant pas terrible. Je pense qu'on va rester sur le graphène. Ce sera déjà pas mal. Léoplite, je me souviens pas, mais si ça m'a pas retenu, c'est que ça va pas être terrible. C'est Your Gauntlet.
Steampunk, non. Non plus. Underworld non plus. Ok, bon, on aura tout vu. La Warframe éventuellement est pas dégueulasse, mais on n'a pas ce qu'il faut. Il faut synthétique matériel, ça, la plupart du temps. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour les fabriquer, ces trucs? On peut les fabriquer là. Pas du tout. Alors attendez, on va faire un truc qui peut être bien aussi. C'est ça. Glace, tungstène, advanced plastique. Et ça. Voilà, on s'est fait deux bons frigos là. Et les deux bons frigos, on va les mettre là. Possible. Un grand comment? Un grand comme ça. On peut pas te mettre là? Ah, on peut te mettre là. Impeccable. Voilà, comme ça, on va pouvoir stocker tous les trucs là-dedans. On a bien de la place. Je vais en faire un autre pour la cuisine. Histoire qu'on ait tout sous les yeux. Ok. En revanche, pour la cuisine, ouais, on va le poser là. Quoique, non, il va pas rentrer là. Bon, pour l'instant, on va le poser là. Comme ça, on va pouvoir rapatrier toute la bouffe au même endroit. Voilà, hop, 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 hop. Alors ça, je vais juste en garder un peu. Ça, on va garder également. Allez. Désolé, il y a du petit lag là, c'est l'hébergement de la partie plus le stream. Mais je sais pas pourquoi, d'habitude ça se passe quand même plutôt bien. Hop. Allez, ça s'est déposé. Bon, il faudra réagencer toute la cuisine du coup. Pour optimiser l'espace. Voilà, ces personnes, si tu cherches la bouffe, ce sera donc à côté de la cuisine ambulante. Et le frigo. Ici, il y a des graines, mais il y a ça surtout. Voilà, on va laisser les graines là-haut. Ici, il y a des graines également. Donc, hop. Hop, et hop. Voilà. Si jamais tu veux t'éclater à cuisiner des trucs, et eh bien tu peux. Donc là, on nous propose une quête. Place 3 pièces de Apex Fourniture. Et un colony lead et une lampe, ça marche, on va faire ça. On va faire ça dans le vaisseau, je sais pas où. Bon, ensuite. Plus on l'a déjà fait, il y a du Apex partout là. Donc on ira déposer ici tous les matériaux de craft, ce serait quand même plus simple. En attendant cette table, on peut la. Non, on va pas la laisser là. Bon, on continue nos. On cherchait à faire des matériaux synthétiques. Voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode, incroyable, ça va tellement vite. Alors, le graphène est là. C'est-à-dire que les matériaux synthétiques sont pas loin, les scorch cores ils sont là. Oxygène, lave. Mince. On a défoncé toute la lave pour dans les moulins. Mais on a de l'oxygène, de l'obsidiane et de la lave. On pourrait peut-être. On va aller faire ça. On va aller chercher de la lave. On va aller chercher de la lave. Attendez, où est-ce qu'on est stationné là au-dessus de rien?
On est stationné au-dessus de rien. Ici, on a quoi? Non, on veut pas du danger extrême, on veut du danger cool. Et vous savez quoi? On va aller à la gratuité. Ah, mais tu nous as donné la lave. Ok, impec. Impec. Alors, avec ça. Corps du corps, il nous fallait quoi? L'oxygène. L'oxygène, on en a plein. Suffit de remettre la main dessus. Nitrogène. Oxygène, tiens. Allez, non, on veut pas faire du sang. Faire des scorch core. Et maintenant, il nous en faut combien? Ça, c'est la question. C'est la question. Alors, Hellfire, il nous en faut 6, 8, 9, 9 et 4, 13 fois 2, 26. Donc 26 trucs, c'est gérable. C'est gérable. Ça c'est fait, on a les Scorchers, donc on se dirige vers la Hellfire Armor. Ça c'est fait. Ensuite. Il nous faut du Tritanium Bar. Neptunium Rod. Ça va être plus compliqué déjà. 6, 10, 15, donc 30 barres de Neptunium. C'est dommage, on les a cramées dans le fuel il n'y a pas longtemps. Et Tritanium Bar, il nous en faut 2, 4, 5, 5 et 4, 9, 18. Neptunium et 18 Tritanium. Et Tritanium, j'en ai jamais croisé. Ça va être bah, peut-être l'objet justement du prochain épisode. Cherchons du Tritanium. Est-ce qu'on en a ici un peu? On a du Neptunium or, mais on en a qu'un. On peut pas faire une brique avec ça. Et le tritanium, alors ça c'est le mystère. C'est le mystère, mais on va aller chercher ça parce que on est bien parti là pour l'autre truc, donc on va déposer tout notre matos. Et ça va être l'objet du prochain épisode, je pense, donc à la recherche du tritanium et du neptunium. Donc on va tout déposer ici. Tout en vrac. Je crois qu'on en a encore quelques heures de planète à explorer. Exactement. C'est pas grave, on est à l'épisode. Je crois que c'est l'épisode 93. Dans l'idéal, ce serait bien de terminer ce boss avant l'épisode 100, mais ça nous laisse quand même une petite marge. Bon, il n'y a aucun impératif, hein, si on termine après, c'est pas grave. Alors, on va récupérer tout ça. On va récupérer tout ça. En train de transvaser tous les matériaux là-bas. Histoire qu'on ait tout à portée de main. Voilà, il y a du Neptunium ici. Donc on va le placer tout en bas à gauche là du truc. Corps du corps. Ici. Donc il nous faut 28 Neptunium.
Ça, on en croise quand même régulièrement, peu mais régulièrement. Ah là, ça rame pas sa lag. Ça a l'air d'aller du côté du retour. On rapatrie le four également là-bas. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. À 5 minutes, je peux te faire avoir la boule. Quelle boule? Ah, la boule collante. Il fallait des matériaux, je crois qu'on a. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on s'en est pas vraiment occupé. Mais la boule collante, dans l'idée, c'est pas indispensable pour l'instant pour nous. Enfin, pour moi en tout cas. T'embête pas avec ça. 8 cartes technologiques, ouais, elles sont là alors. On doit les avoir. Ça c'est fait. Ensuite, Shaggy Paper, on s'en fout. Ça, ce sont des meubles. Ici, on a des matériaux également. On va laisser le petit meuble ici. On va laisser ça là également. Et là-dedans, on a donc les. Voilà. On a pris tous les trucs de craft là. On va peut-être prendre ce qu'il y a dans les moulins aussi. Tant qu'à faire. Il n'y a plus rien, tout est vide. Tout est vide. On a tout vidé? Ok, bah on a tout vidé. De lave mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de lave. Bon d'ailleurs on va lui rendre sa lave. Ah mais si on en avait pas mal, on avait 600. Ok. Pas grave. Il n'y a pas tant de place en fait. On a tous les gènes ici. On a des scorchcore qui traînaient. Ok. Bon, même là, c'est encore trop petit, hein. Il nous faudrait le double, un truc à 256, ce serait parfait. Donc, tout est rangé là, du côté des matériaux de craft. Côté bouffe, il va falloir s'en occuper aussi. Maintenant, il nous faut donc du neptunium et évidemment une petite pause stagiaire avant. Neptunium et tritanium. C'est un truc qu'on n'a jamais croisé, il va falloir chercher. Il va falloir chercher. Alors
Alors du neptunium, il y en a ici, mais c'est chaleur extrême. Attendez, on va aller visiter ça. On va voir, hein, si dans le secteur il y a ce qu'il faut, ben ce sera bien. Neptunium, ouais, mais extrême encore, hein. Température extrêmement chaude. Bon, évidemment, c'est là où il fait le plus chaud, où il y a les matériaux plus intéressants. Bon, ici, c'est la zone du Neptunium, visiblement. Il va falloir manger. Alors je veux bien ces personnes si tu veux cuisiner des trucs, des plats chelous avec toute la bouffe qu'il y a. Parce qu'il y a certains plats qui nous apporteront des boosts. Je vais regarder vite fait durant la pause stagiaire. Alors il y a du neptunium. C'est dangereusement chaud. Qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est une planète qui a l'air un peu plus vivable. Alors c'est risqué. Volcanique activité, il y a du neptunium, du thorium, uranium, silver, copper, gold. Bon, ce qu'on va faire, c'est peut-être chercher du neptunium ici. Il nous faut 30 barres. 30 barres, je crois qu'il y en a deux qui sont prêtes, donc 28. Ce sera déjà pas mal. Donc mission Neptunium pour le prochain épisode. Petite pause stagiaire et je vous dis à tout de suite.